touché. Et là, l'échange de coups violents. Et là, Dierry Jean s'est fait toucher par une droite. Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Pinoy nadaya sa pinakamalaking laban sa Canada taong 2016. Ito ang pinakamalaking laban ng Pinoy sa Canada kung saan hinarap nga nito ang naturang boksingero ng bansa na isa sa kanilang prospect sa Super Lightweight Division. Kung saan former world title challenger ito sa WBO World Super Lightweight title pero hindi nga ito pinalad na manalo laban sa isa sa kinakatakutan at sa ngayon na isa na itong ganap na pound for pound king, Terence Crawford. Matapos kang matalo itong si Dierry Jean laban kay Terence Crawford via knockout sa loob ng round 10 ay sa muli nitong pagbangon ay hinarap nga nito ang Pinoy at tubong Bohol na si Ricky Sismundo na mayroon nga itong ring record ng mapadayo sa Canada na 30 wins and 9 losses. Isang tune-up fight lang sana ito ng Canadian boxer, itong tubong Bohol. Pero nagkamali nga ang kampo nito sa pagpili. Nang akala siguro ng kampo ng Canadian na madaling talunin lamang ang Pinoy dahil marami na nga itong talo na sa kanilang teritoryo pa nga gaganapin ang laban. Na itong si Ricky Sismundo naman ay galing naman ito sa talo matapos mapadayo sa bansang Amerika kung saan nakalaban nito ang isang Mexican prospect na undefeated. Pero muntik pa nga nitong ma-upset ang Meksikano dahil split decision lamang ang panalo ng Meksikano laban sa kanya. Kaya sa laban nitong Pinoy sa Canadian boxer ay dito nga nagulat ang kampo nitong Canadian kung saan dalawang beses itong bumagsak sa laban. Pero ang kinagulat ng kampo ng Pinoy at lalong-lalo na ang tubong Bohol kung bakit naging draw ang laban. Nakita naman kung sino ang nagdodomina bawat round. Kaya ating silipin mga kabusing kung paano nga ba nadaya si Kabayan sa kanyang pagdayo sa teritoryo ng kalaban. Kasama nito ang kanyang promoter na taga Japan. Unang round pa lang, pinakita na nitong Canadian boxer ang kanyang matutulis na jab. Pero si Kabayan ay inaaral pa nito kung paano maglaro itong kalaban at saktong distansya dahil mas mahaba ng galamay itong Canadian kumpara sa kanya. Le jab, c'est que Sismundo a des gants différents, un gant rouge et un gant noir, ce qui est un porte-bonheur pour moi. Comme je vous disais, c'est fatigant sur l'adversaire. Je pense que du côté de Tiger, on a voulu tester Madou. Et là, c'est Dierry Jean. A suivi belle combinaison de Dierry Jean. Oh, beau coup au corps, une main droite au corps. S'observe. On est à mi-chemin dans ce premier round. Des combats prévus pour 8. Beau jab de Dierry Jean. Sismundo qui réplique avec un crochet, mais tout de suite Dierry Jean, il est allé d'une combinaison. La combinaison corps-tête de Sismundo. Dierry Jean qui travaille beaucoup avec son jab. Belle main droite au corps, deux mains droites au corps. Main droite à la tête, main gauche, main droite. Très actif Dierry Jean. Au corps à la tête, varie bien. Encore une fois, un crochet de gauche, crochet de droite. Combinaison, très actif. Gros rythme, exactement. Gros rythme pour un premier round. Dierry Jean est en feu à faire dans ce premier round. Belle main, beau crochet de droite. Suivi d'un uppercut, de droite, un jab. Sismundo lance des coups au corps et... Ouais. Sismundo revient sur Dierry Jean. Mais n'atteint pas Dierry Jean qui... Natapos nga po ang round 1 na buo ang inabot ng Pinoy sa mga Canadian crowd na masasabi natin na maraming naipatama itong Canadian sa round 1 kung saan makikita natin sa Canadian boxer na mataas ang kumpiyansa nito sa sarili na nakababa nga ang dipinsa nito. Pero sa pagsapit ng round 2 ay dito na nga naging agresibo si Kabayan. Jean qui justement bloque quelques coups de poing de Sismundo présentement. Sismundo qui semble plus agressif en ce début de deuxième round. Oh! Vient de toucher. Deux beaux jabs indirects au corps, mais Sismundo semble solide, réplique. Bon. Belle combinaison de Dierry Jean. C'est parti d'un crochet de droite suivi d'un jab. Le crochet de droite de Dierry Jean encore. Sismundo qui a tendance à renverser sa combinaison. On va y aller avec le direct suivi du jab pour se rapprocher de Dierry Jean et lui reculer la tête. Et là, évidemment, Sismundo qui a touché à quelques reprises Dierry Jean la tête, deux fois, trois fois, beau crochet de droite, crochet de gauche, crochet de droite de Sismundo. Dierry Jean est revenu avec son jab. La droite, effectivement, qui a touché Dierry Jean. Tu sais, sa pression avec les mains, Sismundo est agressif, frappe Dierry Jean à la tête. Sismundo qui attaque à la fois au corps et à la tête. Dierry Jean revient avec un crochet de la droite. Passé un uppercut. Sort la tête droite en échec. Droite passe bien par pour Dierry Jean. C'est Sismundo qui a... Ça semble solide, Sismundo. Oui. Oh, la droite. Oui, et là, la droite et la gauche aussi. Sismundo. Oh. Mais Dierry Jean est revenu avec la droite et de la gauche. Jean dans un combat. Un deuxième round plus difficile. J'ai donné dans la garde de Sismundo, mais sans grand effet, semble-t-il. Et Sismundo qui revient encore des coups actuellement à un plus grand volume que Dierry Jean. Ne touche pas présentement. Non, pour l'instant, ne touche pas. Dierry Jean, est-ce qu'il vient de la gauche et à droite? Pour l'instant, sur sa droite. Atteint Dierry Jean de la gauche et de la droite à la tête. Je trouve que Dierry prend beaucoup de coups à la tête. Sismundo qui systématiquement s'avance vers Dierry Jean et c'est Dierry Jean qui doit retraiter. Et là, il est appuyé dans les câbles. Il s'est fait frapper au corps et à la tête. Et c'est Sismundo qui vient encore de le toucher de la gauche et de la droite. Ce qui va l'épuiser, c'est trop de coups. Le rythme est trop élevé pour lui. Il avait passé un bel uppercut sous la garde de Sismundo. Voilà. Il a surpris Dierry Jean avec un crochet. Il doit baisser son niveau pour s'assurer de frapper puis rester plus bas. Et offrir moins de titres. Et là, il y a un échange très violent à la tête des deux boxeurs. Les deux se frappent violemment en cette fin. Noire, scintillante, bordée de rouge et d'argent. Dès la reprise. Ça a reculé, donc c'était bien. Doit offrir moins de cible à son adversaire. Et là, encore Sismundo. Et là, les coups de Sismundo semblent passer facilement à travers la garde. Frappé en même temps que Dierry Jean. Le boxeur le plus agressif. Et là, il y a un coup qui a fendu l'air de Dierry Jean, un crochet de droite, mais bien évité par Sismundo. Dierry Jean qui est presque adossé au câble, sort de là, se déplace. À gauche qui a touché. Et là, l'échange de coups est violent. Et là, Dierry Jean s'est fait toucher vers une droite, a mis un genou au tapis. C'était une gauche, mais il y a eu une droite. Sur la tempe, la droite a touché avant. La droite a touché. Les jambes sont molles. Oui, les jambes sont molles pour Dierry Jean. Honnêtement, ça va être un combat très, très long. Ça va être difficile. Récupérer face à un boxeur agressif que ça. Et là, encore une fois, Dierry Jean a été branlé, n'est pas allé au sol. Et là, Sismundo qui revit. Et là, Sismundo qui martèle son adversaire. Dierry Jean se déplace. La gauche de Sismundo, la droite. Des deux mains. Plus bas un peu, exactement. Le faire rater par les... Dierry Jean a d'autres choix. Mais là, il est dans les câbles. Et là, il s'est fait frapper encore. A mis un genou au sol. Compte pour Dierry Jean. À Montréal. Oh, belle main droite de Dierry Jean. Un beau crochet de la droite qui a touché, mais... Mais là, Dierry semble vouloir être plus agressif. A lancé un crochet de gauche, mais Sismundo revient et martèle de coup Dierry Jean qui semble avoir les jambes molles. Dierry Jean s'appuie dans les câbles, tente d'accrocher Sismundo, le repousse, le frappe, la gauche, la droite. Dierry Jean, Sismundo à revenir. Il avait bien commencé le round pour Tavelas. Sismundo continue son travail de destruction sur Dierry Jean. Savoir si l'arbitre va arrêter le combat. Donc, il est vraiment en contrôle et en confiance. Les yeux du dirigeant sont presque fermés. Dirigeant. Sismundo qui, lui, ne ralentit pas, continue d'attaquer et d'attaquer. Il doit rester plus bas pour rouler sous les coups. Chaque fois qu'il touche Sismundo, ça n'a pas Sismundo, mais il est revenu en force. Et là, encore une fois, il touche. Dirigeant, l'œil gauche complètement fermé. Okay. Le jab de Dierry Jean. On est passé la mi-chemin dans ce round percutant de Sismundo qui en a raté une autre quand même. Place son jab. Des coups de poing. Parce que s'il ne ralentit pas... ça va être difficile pour Dierry. Exactement. Et là, Dierry Jean semble vouloir lancer plus de coups. Mais c'est à faire, là. Et là, c'est Sismundo. Un manque de qualité un peu présentement dans les coups de poing de Sismundo. Dirigeant doit frapper le corps. Et là, Sismundo est allé. La façon dont il est tombé. Dirigeant doit. Deux beaux crochets de la droite. Dirigeant qui accroche bien présentement, ne laisse plus. T'es habitué d'être plus rapide. Oh! Il a passé un uppercut qui a envoyé la tête. Main droite. En même temps que Sismundo lance un coup. Sismundo prend un coup de poing. Écoute, très en forme. Il est cette gauche qui a touché Dierry Jean au visage. Il utilise beaucoup le droit de jab justement pour pousser la tête. Dierry Jean qui recule la tête droite, donc c'est dangereux. Et là, c'est Sismundo, mais il n'avait pas beaucoup de puissance là-dedans. Dierry qui a tenté un coup de circuit avec sa droite, mais n'a pas réussi à toucher. Cette fois-ci, a touché une droite à la poitrine. Jean qui essaie de frapper le corps un peu. Et là, il y a eu deux beaux crochets de Dierry Jean de la droite qui ont touché Sismundo. Là, il a placé un uppercut et une droite. Et là, Sismundo, un combat intense où on s'est échangé des coups. Les deux boxeurs ont fait preuve de courage. Dierry Jean, je vous le rappelle, on lui a compté deux chutes. On vient, selon ma carte, pour remporter les deux derniers rounds. Et là, c'est fait. Mais le jab de Dierry Jean est beaucoup mieux. Et Sismundo. Jean qui touche, Les doigts, on voit le rythme ralenti, donc Dierry Jean voit les coups de poing venir, réussit à contre-attaquer. Mais ça en prend plus encore. Dierry Jean qui recule bien, mais qui recule. Oui, et là, Dierry Jean lance une belle combinaison à partir d'un jab. Il est revenu avec un beau crochet de gauche au visage de Sismundo. Belle attaque. Sismundo vient de toucher Dierry Jean. Un bon jab, un droit de jab encore une fois. Ensuite, fend l'air. Touche avec une belle droite ici, l'uppercut à l'intérieur, c'était bien. Belle droite encore de Dierry Jean, une autre belle droite, encore une droite. Sismundo lui fend l'air. Oh, Sismundo a frappé, aurait pu ébranler Dierry Jean. Une droite. Biglang natauhan itong Canadian boxer matapos matikman nito ang lakas ng Pinoy. Dalawang bisis itong bumagsak sa laban, na kung saan nagtataka ang Pinoy kung bakit hindi hininto ng third man of the ring ang laban, na di na nga sumusuntok itong hometown fighter, kaya tuloy din ito nagawang manockout ang kalaban. Pero laking gulat ng kampo ng Pinoy kung bakit naging tabla ang laban, na sa loob ng round 4 ay dalawang bisis kang bumagsak itong kalaban at sa round 5 naman ay bugbog lang ang inabot nito. Talagang may hometown decision ang nangyari. Pero ganun pa man ay maganda naman ang pinakitang laban ni Kabayan at para sa atin ay panalo ito. So yan lang muna ang ating videos sa ngayon mga kabusing. Maraming salamat po.